Salut à tous et bienvenue pour notre rendez-vous habituel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le cockpit de simulation automobile dans lequel je suis assis en ce moment même. Allez, let's go! Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire la réception des colis et l'assemblage de ce cockpit. Allez, à tout de suite! Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve en face donc des trois colis qui composent cet ensemble du Pro Cockpit version suprême de chez GT Omega. Donc le premier colis, c'est le cockpit en lui-même, comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus comme le port salut, donc GT Omega Pro Cockpit. Le deuxième colis, c'est le monitor stand, donc le support écran. Et enfin, le dernier colis, c'est le siège RS6. Donc sans plus attendre, on va passer au montage et à l'assemblage donc de ce Pro Cockpit version suprême de chez GT Omega. Allez, à tout de suite. Voici donc de retour avec ce GT Omega Pro Racing Simulator en version suprême, monté et complètement assemblé et fonctionnel du coup. Il va rester quelques petits détails à régler comme vous pouvez le constater, donc le support des enceintes qu'il va falloir que j'adapte un peu pour mes enceintes et quelques petits ajustements à faire. Mais globalement, donc ce cockpit est donc complètement fonctionnel, complètement opérationnel. Donc le support triple écran m'a permis de fixer l'écran LG en version ultra wide ainsi que le deuxième écran auxiliaire si je puis dire, donc sur ce même support. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez ici l'étagère de support de console. Toute l'armature donc de ce cockpit est en acier, que ce soit du tube ou des renforts rectangulaires comme vous pouvez voir ici sur le côté, donc qui vous permettent de bien solidifier, de bien rigidifier tout le montage. Vous avez le support clavier donc qui vient se fixer sur le latéral du cockpit. Vous avez bien entendu le support shifter qui vient également se fixer à l'aide de visserie sur les pieds latéraux. Vous avez bien entendu la possibilité donc de rajouter des extensions pour rallonger donc ce cockpit, aussi bien sur le bas du cockpit comme sur le dessus au niveau de la fixation du volant. La fixation du volant est vraiment solide, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse plaque en acier qui vient se visser sur le châssis, sur le cadre du cockpit, donc c'est rigide, ça ne bouge pas. Comme vous pouvez le constater, vous voyez le volant est très rigide, ça ne bouge pas sur le cockpit. Le pédalier, la fixation du pédalier n'est pas inclinable malheureusement, c'est fixe. Comme vous pouvez voir, vous pouvez distinguer les points de soudure sur la plaque. Néanmoins, donc malgré que cette plaque soit fixe, pareil, en ce qui concerne ma morphologie, l'inclinaison est parfaite. Et donc le pédalier d'origine du T300 vient se fixer sans aucun problème. Le siège baquet est un modèle donc RS6 qui est donc le nouveau modèle de chez GT Omega, enfin nouveau qui est sorti déjà il y a quelques temps, mais donc qui est une version améliorée de l'ancien siège baquet. Comme vous pouvez le voir, il est réglable donc en inclinaison de dossier. Vous avez également la possibilité de l'avancer ou de le reculer car il est fixé donc sur glissière comme vous pouvez le voir. À l'arrière, vous retrouvez donc le siège avec l'inscription GT Omega.
et donc le support haut-parleur arrière donc qui vient se fixer sur le châssis. Donc après avoir passé déjà quelques heures sur ce cockpit, sur ce Pro Racing Simulator en version suprême, je le répète, pour moi c'est l'un des meilleurs cockpits que vous puissiez acheter dans cette gamme de prix. Il est vraiment fonctionnel, il est vraiment complètement 100% équipé, il arrive avec tous les accessoires, vous n'avez pas besoin de rajouter un support shifter, un support clavier, de mettre un support écran, etc. etc. Les supports enceintes sont déjà livrés, bref, vous avez vraiment un cockpit clé en main qui est d'une rigidité et d'une compacité vraiment très très bonne. Le support écran est vraiment bien foutu avec de multiples réglages, avec bien entendu la compatibilité VESA, que ce soit des plus petites tailles jusqu'aux plus grandes tailles de cette norme de fixation. Bref, je suis, vous l'avez compris, très content de mon achat et je ne saurais donc que vous recommander l'achat de ce GT Omega Pro Racing Simulator en version suprême, je le répète, si vous voulez disposer de toutes les options et de tous les équipements disponibles. Si vous souhaitez uniquement installer un seul écran, vous pouvez toujours acheter la version d'en dessous qui est livrée donc avec le support mono écran et non pas le support triple écran. Certains l'auront peut-être remarqué, mais je vous prépare donc d'autres vidéos très très rapidement, car comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon shifter TH8A ainsi que mon pédalier T3PA Pro. Donc une fois que tout ça est installé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pour conclure cette vidéo sur ce GT Omega Pro en version suprême, je dirais que c'est un très bon cockpit en prenant en compte le rapport prix-prestation. Je pense qu'aujourd'hui sur le marché, vous ne pouvez pas avoir mieux dans cette gamme de prix. Après avoir passé quelques heures dans ce cockpit à rouler sur Assetto Corsa et Project Cars, j'en suis amplement satisfait. Il me reste encore à fixer les enceintes de mon kit 5 points correctement, donc à me fabriquer des petites pattes de fixation adaptées à mes enceintes pour pouvoir les fixer sur ce cockpit. Mais encore une fois, je le répète, je suis amplement satisfait de mon achat. Je ne pourrais donc que vous recommander ce cockpit GT Omega Pro en version suprême pour toutes les personnes qui souhaitent passer le pas et qui souhaitent se mettre sérieusement au sim racing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !